travail est pénible, plus c'est, les gens sont solidaires et camarades. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, travaillait dans les moments de pause à son propre service. Hein. On était libre de ce côté-là. La matière première était là, les scies étaient là, l'établi était là, les chefs n'étaient pas là. Ben on... Ce qu'on faisait, bon, certains réparaient leur voiture, on faisait l'entretien. Je me souviens, j'avais un collègue à moi, et ce gars, il avait à l'époque, il avait une 2 chevaux, dont le plancher était pourri. Et je me rappelle qu'un soir, il avait fait du béton, du ciment, il avait coulé une chape dans la 2 chevaux. Qu'est-ce que t'as l'air d'insinuer, toi? De temps en temps, tu ramenais quand même des petites choses. Oui, bah, des petites choses qu'on avait besoin. Et au Luxembourg, c'était l'ingénieur qui lui donnait. On n'achète pas ces genres de choses, on s'échange. Moi, j'ai vu des mecs, ils faisaient des portails. Oui, j'ai vu des mecs de faire des portails. Des portails. Mais c'était pas dans l'esprit de voler ni rien du tout. Il n'y avait pas cet esprit de dire, même pas, tiens, je suis en train de voler mon patron. C'était les chefs qui profitaient. Ah, ça, c'est pas de la fauche, ça. C'est quoi? Ça, c'est des pots de vin. Ben, c'est des pots de vin. Ça s'appelle des pots de vin. Je peux dire aujourd'hui, c'était mes plus belles périodes de travail. On travaillait, on était des copains. On faisait parfois même des bêtises. Je me souviens même, on montait sur les gazomètres pour aller voir le match de foot à Longueville, là-bas. Hein, on était libres. Mais, comme on dit, hein, le boulot était fait. Hein. Il y a des choses irracontables.